Coucou. Je me suis acheté ma première perruque sur un site qui s'appelle Flawless et qui est tenue par une nana formidable qui s'appelle Audrey. Comme c'est ma toute première perruque... A priori, il faut se faire des tresses collées pour mettre la perruque. Du coup, je vais me faire des tresses collées pour mettre la perruque. Oh, je vais pas coller les tresses, j'ai la flemme. Ah ! Profitons-en pour parler de mes cheveux un petit peu. J'ai un rapport assez étrange avec mes veuches, en réalité, parce que grandir avec les cheveux crépus en France, c'est pas très aisé. En termes d'image de soi, toute ma vie, j'ai voulu avoir les cheveux méga lisses. C'est jamais arrivé. J'ai toujours eu des cheveux indisciplinés, durs à coiffer. J'ai passé ma vie à acheter des shampoings et des après-shampoings soi-disant lissants, en croyant les réclames à la télé. Ils disaient que leurs produits enrichis en huile de ci, enrichis en protéines de ça, allaient rendre mon cheveu doux, lisse et facile à coiffer. J'ai aussi pas mal recours au défrisage chimique qui défonce les cheveux tout bonnement. C'est au moins aussi toxique pour les cheveux que la décoloration. Ça peut même être un petit peu pire. Je crois que dans la vingtaine, je me suis fait des trous, hein, déjà, au défrisant. Mon premier défrisage m'a un petit peu traumatisée parce que j'étais pré-ado et ma mère m'a fait un défrisage. Je l'avais demandé, hein. C'était un kit soi-disant plus doux pour les cheveux des enfants, c'est-à-dire qu'avoir les cheveux lisses, c'est tellement une obsession dans la culture, j'ai envie de dire la culture noire, les cultures noires américaines aussi, qu'ils créent aussi des kits de défrisant pour les tout jeunes. Tirez-vous, ah putain. Ouh. Ah putain de merde. Donc ouais, mon tout premier défrisage, il m'a un peu traumatisé parce qu'on a passé l'après-midi avec les produits et tout avec ma mère. Et je pensais que ça allait changer ma vie et que j'allais avoir des cheveux lisses et soyeux à la sortie de l'utilisation de ce produit. Et c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Ma mère n'est pas coiffeuse professionnelle. Et donc, elle m'a passé le produit et tout allait bien. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas les cheveux défrisés comme je voulais. Ce qui fait que... Ah putain, ça fait mal au bras en plus, cette merde. Ah, on était dans l'ascenseur pour aller au collège. Et quand j'ai vu mon reflet dans le miroir, et quand j'ai vu que je n'avais pas des cheveux hyper lisses et soyeux, ah, comme les cheveux des nanas dans les séries, bah, j'ai un peu éclaté en sanglots. Je vais appeler ma petite sœur pour qu'elle voit, j'allais dire en même temps que vous, mais pour qu'elle voit en même temps que moi ce qui se passe, parce que c'est drôle et qu'il faut que je partage. Vous êtes en direct dans C'est pas sorcier. Là, le paquet dans lequel elle envoie ses perruques, la dame. Donc, on va découvrir ensemble. Ah, ah, voilà son petit sac. Trop mignon! Alors. Oui! Tada! Je suis un peu deg parce que du coup j'ai oublié de prendre une. Faut que je prenne une espèce de cape, de machin pour mettre sur mes veuches là. Ok. Ah non, c'est dans le sens. Ok. Nice. Everything is going great! Ouah, ça fait chelou! Ça fait trop bizarre, c'est des vrais cheveux quoi. C'est ouf. Alors ça serre un petit peu la tête, le mien là, mais je crois que je peux le desserrer le truc. Oh, c'est trop marrant. C'est beaucoup trop drôle. Alors, donc je pense qu'il faut que je refasse l'arrêt pour que ce soit de côté parce que j'ai pas envie que ce soit au milieu. Ouais, ça fait tellement bizarre. La texture, elle est ouf. Elle est ouf, meuf. C'est du cheveu quoi, c'est tout doux. C'est ce qu'on a toujours, enfin ce qu'on se fait chier à se lisser les veuches. Alors autant moi j'ai arrêté de me lisser les cheveux, cela dit, mais enfin parce qu'ils sont courts et que ça rend pas. Ah, c'est ouf! Ah la vache! Oh, c'est dingue! Je
je trouve ça rigolo d'avoir plein de cheveux et tout. Et si je fais wouh, wouh, après j'ai les cheveux qui tombent comme ça, je suis comme ah non, ah là là, mes cheveux, bah. Je comprends toute la hype, hein. Non, j'ai l'impression que je peux apporter comme ça. Mais mon cap est un peu pourri. Ce truc-là, là, qui est pas ouf, voilà, je vais laisser ça comme ça. Alors, donc c'est un peu serré, effectivement, son affaire. Je vais le desserrer, le truc. Ah, parce que là, ça me faisait limite mal à la tête. Mais attends, c'est quoi, je vais enlever la laïs d'abord. Après, et voilà. Ok. Ok. Alors, c'est assez dingo, mais du coup, qu'est-ce que j'ai foutu qui marche pas? Parce que si je lève... Toujours la porter comme ça. C'est sympa. Mm. Eh ben, c'est sympa. En tout cas, moi, j'aime bien. Ah, voilà, tu peux faire ce que tu veux. Hein, ouais, c'est du vrai cheveu. Je peux les lisser, je peux les boucler, je peux faire machin. C'est grave cool. Oh, franchement. A priori, ça se lave. Ah bah tiens. On va lire sa petite carte. Voilà. I look like a true influencer now. Dans les vidéos, les meufs, elles font un make-up de la mort et tout. Et je suis comme... Ah, pas du tout. La flemme. Pour faire ma raie, idéalement, faut que j'épile des vaches. Mais vous imaginez même pas à quel point j'ai la flemme de faire ça. Toutes les meufs sur YouTube le font. Et bah, je suis plus que contente de ma connerie, écoute. Je pense que le plus dur maintenant avec cette vendeuse de perruques va être de m'empêcher de m'acheter à peu près toutes les perruques de son stock. Je pense que ça va être le plus compliqué. Parce que je suis plus que conquise en vrai. Hein. Mais ça va me faire bizarre, franchement, de sortir avec dans la vraie vie, tu vois. J'ai du mal à m'imaginer, en même temps si, hein, que ça peut me foutre. En vrai, qu'est-ce que ça peut me foutre? Bah non, si tout le monde avait déjà bloqué, vous connaissez, et dire bah elle n'en fait rien, alors que lui, elle n'en fait pas. Bah c'est ça. Mais alors, clairement, j'en porterai pas au boulot. J'en porterai pas au taf. Mais pour voir les potes, ça fait tellement chelou d'avoir des cheveux sur les épaules et tout. Donc voilà à quoi ça ressemble en entier, même pas du tout posé correctement. Comme il faut. Oh la vache! J'ai un peu la tronche de quand j'étais. J'ai la tronche de ce que je voulais en 2010 quand j'avais les cheveux un peu longs. Juste avant de les couper. Oh, j'ai tellement la coupe de cheveux de quand j'étais emo. Je suis fan de ma très mauvaise review de perruque. Où je fais 0% comme il faut faire. Oh, oh, c'est génial! Oh pétard! Ouais, grave, c'est exactement ça. Oh waouh! Ah la vache, qu'est-ce que ça tient chaud ce truc. Ah là là. Ouh. Et du coup, mais je peux me ventiler. Je vais passer la journée à bouger la tête comme ça. C'est une Stella Bob 12 pouces en naturel, en cap moyen, en lace front. J'ai choisi une lace front plutôt qu'une lace wig parce que je ne compte pas la porter en queue de cheval. Cela étant dit, cette longueur, 12 pouces, je crois que j'aurais pu en fait. Là, si je relève, aïe, si je relève, c'est nul. Je m'en ai acheté une cheveux longs aussi, mais en lace front, en lace wig, pour pouvoir les attacher. Je sais pas quelle longueur je vais prendre. Il est temps de vous laisser. Je vais rester avec Sophie à juste secouer mes cheveux. Moi, je te laisse. En plus, je suis. Enfin, je sais pas, je te laisse. Je sais pas. Non, je te laisse pas toi. Je te laisse toi. Ciao. Bisous.